Sophia Ram, dois-je vous appeler Daisy ? Daisy, c'est la femme de Donald. Pas tout à fait. Une bouche en forme d'anus, une touffe d'herbe folle lyophilisée en guise de cheveux, recouvrant sommairement de tout petits yeux en trop de pine qu'une chipolata trop cuite faisant office de nez, peine à assombrir tant ce visage variolé et recouvert d'autobronzant ressemble à une citrouille flétrie que l'on aurait recyclée d'une année sur l'autre, d'un Halloween à l'autre. Ah, non. Ça va mieux sans le masque. Sans le masque, c'est mieux. Voilà. J'ai pas vraiment l'habitude de m'attaquer au physique, mais là, faut pas déconner. Avant Trump, mis à part Jean-Marie Le Pen, personne n'avait jamais autant ressemblé aux idées qu'il porte. Personne avant lui n'avait poussé la cohérence jusqu'à troquer sa bouche contre un sphincter, histoire de faciliter l'expulsion diarrhéique de ses idées nauséabondes. Le regard fixe et le poing levé menaçant l'éléphant républicain d'un gigantesque fist-fucking, Trump semble plus que jamais déterminé à faire passer l'Amérique toute entière par l'orifice gercé du pachyderme qui assiste sans broncher à l'outrageant sacrifice de son intimité. De son côté, l'âne, symbole des démocrates, empêtré dans ses contradictions, cligne de l'œil pour échapper le temps d'un battement de cils à l'insoutenable orgie qui se prépare. On est en 2016 et Donald Trump est vraiment candidat à la Maison-Blanche. Un type qui croit en Dieu, mais pas au réchauffement climatique, qui s'enorgueillit d'avoir, je cite, « baisé Kadhafi dans une affaire immobilière », qui regrette de ne pas pouvoir se taper sa fille parce que, parce que c'est sa fille, justement. Un mec qui recommande d'espacer les vaccinations pour les enfants afin, je cite encore, de leur éviter de devenir autistes. Je vous assure que sur le papier, bon, il y a un peu plus de 6 mois, la victoire de Trump aux primaires des Républicains était presque aussi improbable que le retour de l'extrême droite autrichienne aux affaires ou que l'entrée de Marine Le Pen à l'Élysée. Ah non, je vous assure, ça en aurait fait marrer plus d'un. Comment imaginer qu'un type qui traite l'actrice Kristen Stewart de chienne parce qu'elle a trompé son mari, qui se demande comment Hillary Clinton va s'y prendre pour satisfaire son pays alors qu'elle n'arrive pas à satisfaire son mari, qui annonce qu'il faut punir les femmes ayant pratiqué un avortement pour finir par se raviser en proposant de pénaliser les médecins qui les ont avortés, qui accuse une journaliste de la Fox de l'avoir malmenée parce qu'elle avait ses règles, qui milite pour l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis, qui refuse de condamner le Ku Klux Klan, c'est super dur à dire, sous prétexte qu'il ne les connaît pas bien, et qui se présente comme le meilleur président que Dieu ait jamais créé. Comment imaginer que ce type-là se retrouve en position d'être élu à la tête des États-Unis ? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de passer sa journée à fustiger les élites au pouvoir, à pourfendre le politiquement correct et la bien-pensance, à rendre les immigrés responsables de tous nos maux, à raviver les guerres de religion en bouffant de la racine chrétienne et en vomissant l'islam. Et ça marche ! Vous ajoutez 2 doigts de dédiabolisation, un sourire ultra bright, un peu d'autobronzant, et l'avenir est à vous. Tout se passe un peu comme si, après les difficultés rencontrées dans nos pays démocratiques, les électeurs finissaient par se dire « on n'est pas content des dirigeants qu'on a eus jusque-là, et si on essayait les cons ?» À l'heure où les déçus d'Obama n'hésitent pas à voter pour Trump, imaginez le boulevard qui s'ouvre en Europe et ailleurs à tous les populistes de France et de Navarre. Sophia Ram, merci et à lundi prochain.